Une nouvelle façon de mettre donc de l'argent de côté, et tout ça sans effort, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui je vais donc te parler d'une application qui va te permettre de faire de grosses économies. L'application devient de plus en plus connue et elle se nomme Yield. Le concept a été créé par Najib Beydoun qui a voulu mettre en place un livret A 2.0. D'ailleurs, avant de tout expliquer, le lien de leur site internet est donc dans la description de cette vidéo. Je pense qu'on connaît tous à peu près ce fameux livret A qu'on a à la banque. Et donc généralement il y a un taux d'environ 0,75%. Mais attention, et ça c'est très important, dû à l'inflation. C'est-à-dire qu'en fait chaque année, eh bien le prix de la vie augmente. Malheureusement c'est comme ça. Bien, ce fameux livret A en fait n'est pas si intéressant que ça. Il faut donc savoir que Yield te permettra donc de mettre de l'argent de côté de plusieurs façons. Il y a ce qu'on appelle en fait des règles d'épargne. Et c'est là où c'est très intéressant, puisqu'en fait cette application va donc s'adapter à ton style de vie. D'ailleurs n'hésite pas à me dire quelle méthode tu préfères dans la barre des commentaires. La première solution est que Yield va donc arrondir toutes les dépenses à l'euro supérieur. Il s'agit donc d'une manière très intelligente de mettre de l'argent de côté. Et d'ailleurs ça c'est le meilleur concept, j'adore ce concept là. En fait, par exemple, tu vas faire un achat d'1,80€, tu vas donc mettre 20 centimes de côté. Honnêtement, il n'est pas génial ce concept. Forcément, petit à petit, ça va commencer à mettre de l'argent de côté. Donc, tu vas épargner sans un réel effort. Le deuxième concept est vraiment super, puisque tu vas mettre environ 1400€ sans vraiment t'en rendre compte. Tu peux économiser par semaine. C'est-à-dire que la première semaine, tu vas donc mettre 1€, la deuxième 2€, la troisième semaine 3€, et ainsi de suite. Tout ça, donc forcément, jusqu'à la fin de l'année, donc à la 52e semaine. La troisième solution est un petit peu plus brute, c'est-à-dire que tu vas devoir mettre de l'argent de côté chaque mois. Tu vas donc devoir prédéfinir le montant. Il est aussi possible donc de te procurer la carte Yield pour 9,90€. Il s'agit donc d'une carte bancaire Mastercard qui te permettra donc de financer un de tes projets. Il y a un sous-compte sur lequel tu auras épargné. Par exemple, tu souhaites donc t'acheter une console qui vaut à peu près, on va dire, 300€, imaginons. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas utiliser soit l'une des trois techniques que je t'ai citées juste avant, que ce soit par exemple à l'arrondi supérieur, par semaine ou par mois. Donc une fois que tu auras atteint ces 300€, globalement avec ta carte Yield, tu vas donc pouvoir acheter ta fameuse console. Très important en fait, c'est totalement gratuit, puisque tu ne vas rien payer, puisque tu peux virtualiser une carte bancaire. Tu peux utiliser donc ton livret tranquillement, te faire ta capsule, etc., etc., sans rien payer. Bien entendu, il est aussi possible de retirer donc avec ta carte Yield. Il y a aussi, ça c'est très intéressant, donc pas d'abonnement, pas d'engagement, pas de dépôt minimum, et il n'y a pas de découvert. Enfin voilà, là c'est la carte physique. Par contre, et là je vais te montrer, j'ai flouté un petit peu malheureusement, ce qui est tout à fait normal, mais tu peux virtualiser donc une carte bancaire Mastercard. Et là c'est très intéressant, puisque tu vas pouvoir faire donc tes achats en ligne, tu vas pouvoir aussi paramétrer un petit peu ta carte bancaire. Petit bonus, en utilisant donc ta fameuse carte Yield, tu auras donc 4% aussi sur tout Amazon. Et là aussi c'est très intéressant, parce que je t'en ai parlé juste avant de l'inflation, ce genre de choses, le livret A où tu as un taux de généralement à 0,75%. Et c'est vrai que là, hop, avec Amazon, tu peux faire un achat de 4%. Et il faut savoir aussi que ce sont les seuls à offrir donc 4% sur tout le site Amazon.fr. En gros, ça va donc augmenter ton pouvoir d'achat. En tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter cette application. Ça devient de plus en plus connu. Les gens en parlent de plus en plus. Et je comprends tout à fait, parce que le concept est top, surtout l'arrondi supérieur. Alors ça, je kiffe trop ce concept, cette façon d'épargner. Bon, merci à tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. N'hésite pas aussi, je vais aussi mettre le lien de leur site internet dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.